common sense, common sense. I don't lost my common sense. J'espère que tu vas bien. Moi, je vais super bien. J'ai la pêche ce matin. Et pourtant, j'ai passé la nuit au travail. Hein. Mais bon, je suis rentrée.
suis dit, ma fille, il ne faut pas encore manger des choses de dehors là. Voilà, je prépare, je cuisine et je sais cuisiner. Hein. Donc là, au menu, nous avons bienvenue sur ma chaîne déjà. Bienvenue, merci. Installe-toi. Nous allons faire du poulet pané d'abord. D'abord. Ensuite, je n'ai que 3 pieds, donc c'est une place, c'est pour moi seule. Et accompagné de fried rice, donc du riz frit. Si on veut traduire littéralement, c'est du fried rice que je vais te montrer. Je vais me battre pour filmer toutes les étapes, mais franchement, c'est pas facile. Ok, tu connais la recette du poulet pané, farine, œufs et chapelure. Bon, chapelure faite par moi, c'est juste des biscottes que j'ai passées au robot. Voilà. Donc, de ce pas, ben, on va y aller. Ah, we are back again. Back again, poulet pané. Back, back, forth and forth. Back, back, forth and forth. Tu connais les étapes. Bon, je n'ai que mis du sel. Il y a un sel que j'ai acheté là. Bon, c'est pas là. Pendant, j'ai juste mis dans le bocal là. Mais c'est un sel qui est déjà aromatisé parce que depuis un certain temps, j'essaye d'éviter de manger les cubes, les bouillons cubes mâchés là. Donc, je n'ai mis que ça. Généralement, et comme c'est du poulet pané, ça suffit. Je n'ai pas beaucoup, je n'ai pas mis des épices. Je fais souvent les condiments verts, on dit. Farine d'abord. Farine bien. Je crois que je vais faire 2 couches. 2 couches de farine. Frites. On effe bien. Tourne, que c'est pas bon. Allez, allez, allez. Voilà notre poulet, c'est à ça qu'il ressemble. Comme ça. So, j'ai mis l'huile à chauffer, je ne sais pas comment ça saute, là ça veut dire qu'il y a les huiles. Juste avant de assaisonner et de laisser le. Juste avant d'assaisonner le poulet, bah, j'ai fait cuire du riz. Donc, le riz et fried rice, c'est pas avec du riz qui est froid. Parce que quand le riz est chaud, ça colle. Donc le riz doit être froid. Donc c'est pareil, j'ai mis dans un plateau pour que ça refroidisse. C'est souvent bien avec le riz quand même dormi en fait. C'est un peu plus. Voilà. Ok, bon, je sais pas. Je vais mettre le poulet dans l'huile. Il n'y a pas de pot, vous pouvez passer deux. Voilà. Maintenant, je vais commencer l'étape, la cuisson du riz frit. Je vais la faire au fur et à mesure parce que tout, presque tous les ingrédients sont surgelés. Et on les sort au fur et à mesure. Donc, je vais te montrer. Sinon, je vais les enlever dans des petites assiettes, je te remontrerai, mais c'est pas possible. Désolée, hein. Oui, presque tout est surgelé. Mon riz frit, il y aura du brocoli, il y aura des champignons, il y aura des oignons, bien sûr, du persil. Peut-être du maïs, je sais pas encore. En ce qui concerne les conserves, je vais finalement mettre du maïs doux. Et les champignons, j'avais dit que je vais acheter les champignons pour les parce que ça sort pas bien. Puis je vais aussi mettre ça. Oui, c'est de la pousse de haricots Mungo.
C'est bon et c'est healthy. C'est bon pour la santé. Donc, c'est un protéine. Je vais mettre ça en mon fried rice est riche. Et puis, j'ai sorti mon petit robot que j'aime beaucoup. Il est manuel, j'adore. C'est super pratique. Au lieu de. Ce robot-là, bah, je trouve ça. Donc, je vais hacher. Bon, ben maintenant on va commencer à préparer les ingrédients pour le fried rice. Je vais hacher du persil. Je pensais que j'avais du poivron, c'est tout ce que j'ai parce que ben, ça a commencé à se gâter. Un piment que je vais hacher, donc ça sera vraiment pimenté. Disons les deux tiers de cet oignon. Et puis, 4 gousses d'ail. J'ai mon petit robot magique ici. Bon, quand je dis magique, j'aime trop parce qu'il est pratique. Il est petit, pratique. Il hache ce qu'il a. Donc, idéal ici, tu as des coupures de courant et tout. Je mets aussi le poivron. Voilà, c'est tout ce que j'ai. Le piment, non, ça va. Pas envie de faire mal. L'oignon. On va voir la beauté de la chose. Puis le persil. Les ongles. Fried rice. Alors, je commence avec de l'huile de sésame. C'est un parfum magnifique. Je vais laisser la marmite bien chauffer. D'habitude, je fais ça dans mon. Je fais comme le wok là. J'ai mis une bonne petite rasade. Mais voilà. Dans la marmite, ça marche aussi. Puis, de la tomate, c'est vrai que j'ai grossièrement coupé. Ça va. Avec la tomate. Oui. On va rajouter une partie. On va mettre d'abord une partie. C'est bon, je pense que c'est bon partie. Ici j'ai mis de l'eau à bouillir avec le fameux sel pour faire cuire les légumes surgelés. Bon, il y a le haricot vert, le chou fleur, là j'ai le sel. Que je ne vais pas mettre de cul de ma vie.
tout ça. Je vais même voir ce que je vais encore ajouter. Pourtant, je ne mange pas. C'est nos haricots verts surgelés. Que je vais mettre en manchette. Et puis ça. Les choux-fleurs. Il y a des choux-fleurs, il y a des brocolis, il y a des choux romanesco. Donc, ça ira dans nos bagages. Maintenant, je mets les champignons que j'ai égouttés, rincés et égouttés. Sauter ça rase, non? Voilà, les choux, un peu de bruit. Sauter parti. Baisse le feu. Alors ça, c'est nos légumes surgelés, le haricot vert, chou de Bruxelles, romanesco, etc. On met dans la casserole qui a chauffé. Puis après, je vais les découper. On met ça congelé. Waouh! Voilà. Sont cuits. Voyons, voyez comme c'était beaucoup là. Et voilà. Je rajoute les haricots. J'avais coupé le feu. Donc là, il y a des champignons. Je mets le haricot vert. Je mets le mélange chou Bruxelles, chou fleur, etc. Ce qui est à côté là, c'est les pousses de haricots que je vais mettre après. Donc vers la fin, parce que eux sont déjà cuits. C'est vrai que les autres sont cuits, mais comme ils sont plus petits, ils sont aussi pas trop égales. Je les mets maintenant. Voilà. Titouille. Et titouille. Je rajoute encore une partie des contenants. Oui, j'aime mettre au fur et à mesure. Ça, le goût reste. Là, que j'utilise parce que c'est quand même du fried rice. Donc, on va rajouter une petite rasade. C'est du fruit, c'est du riz frit. Donc, on va le bien. Faut aimer les légumes. Bon, il fait. Il y a plein de légumes. Je vais rajouter mes pousses de haricots. Puis je vais mettre le riz. Ah, j'ai failli oublier. Je mets la sauce soja. Une cuillère, hein, environ. Voilà. Maintenant, je vais rajouter le four. Je vais le mettre dans un plateau. Puis, on tourne doucement pour ne pas casser le riz. Pour le casser. Mais um. Aqui o resto de pão de mel. Comme bonne africaine que je suis, on ne veut pas laisser les miettes. Comme bonne camerounaise.
C'est malgré moi, c'est parce que je ne peux pas mettre de l'eau dedans. Sinon, j'aurais mis l'eau dedans. Alors, voilà. Voilà, il est prêt. Un peu goûter pour voir si il y a assez de sel. Et voilà, donc le petit fried rice. Et je vais me régaler là. Les mains alors que j'ai les mains pour rien. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne.